Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route sur l'axe Yamsokro-Boaké-Katiola-Niakara sont en cours. La grosse artillerie est déployée sur tout le tronçon. Le bitume dégradé est retiré, les nids de poules sont fermés. Les travailleurs sont à la tâche pour rénover la route et sécuriser les voyageurs. Fekese-Dougou est l'une des plus grandes villes de la région des savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Elle compte environ 62 000 habitants et les groupes majoritaires sont le Niarafolo et le Palaka. Ici également, les choses se précisent. Nous sommes dans la cité du Tchologo, à Fekese-Dougou, à environ 650 km d'Abidjan. La ville est en chantier, les préparatifs vont bon train. Comme vous le constatez sur cette place derrière moi, où va se tenir plusieurs réunions. Fekese-Dougou fait donc partie des villes que visitera le président de la République Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans le district des Savanes, prévue du 2 au 8 juillet prochain. Cap est mis sur Niélé, dans le département de Ouangolo-Dougou. Niélé est situé à 150 km de Korogo et à 30 km de la frontière avec le Mali. Ici, les préparatifs n'ont pas encore démarré. Cela n'empêche pas les gendarmes de veiller au grain malgré les conditions difficiles de travail.